Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35 pour l'épisode 21 de Minecraft vous est offert saison 4, toujours en compagnie des mêmes gens que l'épisode précédent, à savoir Eldraimon. Salut bande de bonjour chers amis. Mr Fanax. Et bonjour, et j'ai mon argent. Spirit, oh le lag. Bonjour livreur de casque de fer professionnel de père en fils. Avec un accent totalement cool. C'est ça. Et en compagnie également de Frosty29 que tout le monde oublie parce qu'il parle pas. Oui. Non, on l'entend quasiment pas. De toute façon, tout le monde s'en souvient parce que tout le monde a vu qu'il a fait 49 morts. Mais non, voilà. 29 voilà. Je suis deuxième, mais c'est parce que je suis l'un de ceux qui passent le plus de temps sur la map. Ouais, ouais. T'as un jeu a eu que 5 morts. T'es où, Frosty? D'ailleurs, t'es où? Moi, je suis à mon Frosty Slime. Et dites, ça vous dérange pas qu'on se rejoigne tous au même endroit avec un stuff correct pour se diriger Bah je récupère mon équipement du coup. J'ai une épée en vendant diams. Alors, comme vous le voyez, là il y a des bandes noires dégueulasses, mais ça veut pas rester comme ça, je vous rassure. Donc là je consulte les coordonnées qui sont juste à gauche de mon écran. Oh. Ah bah c'est bizarre, il y a plus de bruit de fond d'un coup, ça veut dire qu'on a perdu Frosty. Ah bon? Ah bah on l'a retrouvé. Alors, donc, du coup c'est la prochaine clay, c'est la clay jaune, celle du désert probablement, qui va se retrouver super loin, va falloir traverser toute la map. En 4800-2000. C'est moi qui l'ai probablement. J'ai vérifié le nom mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est la jaune. Ah oui c'est la jaune. 4800-2000, bon courage, ça va probablement nous prendre 2 épisodes. Oh. 4000 et on va avoir du pays ceci dit. Bah attendez les autres quand même. Attendez les autres. Moi j'ai un casque et une épée, c'est bon, je peux pas y aller moi. J'arrive. Ah oui, genre avec ta et ton couteau quoi. Du petit couteau. Oui oui. Bon, avec mon pack c'est pas du tout cool. Couteau mais bon. Je n'ai pas prononcé le mot qui posait souci, mais Fanax est là au-dessus du monument de la victoire, qui est pour l'instant un monument de la défaite. Bon, mais l'argent Fanax. L'argent ? Je n'ai plus l'argent. Et on pourra commencer le chemin dès que le démon. Il a nous tout dépensé dans les kebabs. Tiens, voilà ton argent. Donc je vais essayer de noter le cap. Donc il faut aller vers le nord, très légèrement est. Quand on ira vers le nord, on ira jusqu'au milieu du Lena Delta. Et puis vers les coordonnées. Je crois qu'on va croiser le donjon du Lena Delta avant. C'est possible que ce soit sur le chemin. Alors bon, on fera ce qui nous chantera, on les fera peut-être pas dans l'ordre des cailles. Quoique si, ce serait mieux quand même. Parce que mon système ne prend pas ça en compte en fait. Si jamais on valide la clay du Delta, ça va allumer cette lampe là en fait. Donc on va faire le détour. Et ça nous mènera, et il faudra aller légèrement vers l'est et voilà. Ou alors au pire, ce qu'on peut faire, c'est faire une ellipse jusqu'à ce qu'on soit au donjon. Donc en gros, faudra aller de l'autre côté. Il commence où Frosty Airline? De quoi? Il commence où le Frosty Airline? Parce que je le trouve pas en fait. Airline. Mais on s'en fout. Airline. C'est un jeu de mots astucieux. Ouais, on s'en fout. Il reste. Moi j'aimerais juste le prendre en fait. Tu vas dans ma maison, tu vas en haut, tu tombes. J'avais pas un cheval. Au pire / TP, LD. Non, va mourir. Même il s'appelait Flindus, il est passé où? Il doit en train de se balader. Hein. J'ai vu une fois par là-bas. Comment qu'il se soit fait bouffer en laser. J'ai vu par là-bas. J'ai une arme de merde et j'ai pas d'armes. J'ai vu par là-bas une fois. Ah si, j'ai une arme, mais bon, voilà quoi. Bah c'est pas grave, on aura toujours des mains de plus et ce sera qu'il. Vu le nombre qu'on est là, on ne peut que prendre le donjon sans aucune difficulté. Yay, c'est le bonheur. Tiens, t'as voir. J'ai rien lancé sur moi, mais bon. C'est swag, on va tous crever. Oui. Allez, donc c'est parti, c'est dans l'autre direction. Suivez-moi, en route de mauvaise troupe. Moi j'ai du bois pour crafter des bateaux. De la bouffe, j'en ai. Those kids, mine Freunden. Qui en a besoin? Toi? Bah, je vais t'en donner pas trop. Tu seras gentil. Ah, radin. Bah, des crèmes de vie de poulet. Oh non, 15 quoi. Il m'en reste 45. Tu croyais plus radin, c'est le B.
Ouais bah je t'en achète bah, donner le quart de ma vie. Pain et je vais pas chier. J'en ai 48, ça devrait aller. Oh bébé. Mais il me pique, pique mais. J'aime tuer les bébés. On aime tuer les bébés. Mais il me pique mais kill ces bâtards. Fais passer des messages positifs sur cette chaîne. J'ai réussi à faire TK dans Splatoon quand même. Ça fait la même TK et on réussit. Et on tue toutes les voix chez tout le monde. Facing là actuellement North, c'est très bien. Quand on va vers le nord, ça va sur, sur la map est en ville en fait. Donc du coup, ouais, on va dans la bonne direction. On va rencontrer la mer. Donc on va la rencontrer à un endroit où elle sera pas trop longue. Donc du coup, oh tiens. Depuis tout à l'heure, je te sauve la mini Mister. Il y avait 3 zombies derrière. J'ai tous défoncé pour toi. Bon, écoute, on va monter des dizaines de blaze. Hein. Faisons du 2 FPS. Faire payer, bon, ne restez pas, ne restez pas là. Bye big boss. Le mémorial du Kiko. Bref. Oh mais repose ça, espèce d'enfoiré là, un peu de respect pour les abonnés. Oui, c'est un type qu'on a croisé en live et qui a voulu s'inviter, il s'est invité, écoute. Donc, des fois, on le fait plus trop en ce moment là, mais on fait des sessions live en fait, où on invite des gens. Parce qu'inviter des gens c'est bien. Prends la tête de l'abonné, faut prendre toutes les têtes de tous les abonnés qui sont venus. Non, ça j'ai ne fais pas ça, putain de... Eh bon. Allez, on avance vers le nord. Et ne perdez pas le nord surtout. Avec mon slash kill, c'est le B35. Ah ne le faites pas vraiment, par contre vous serez gentil, il n'y a pas le keeper inventory. Et en plus on a besoin d'un guise donc. Un guise spirituel. Et enlève tes chaussures l'hobby. Tes coordonnées parce que je suis un gros tout. Allez. comment dire, j'avais toujours laissé des bandes noires moi. Oh on est champion du monde. À moi. Non, c'est la violence. On n'est pas les hommes noirs, nous, ici. Prosti, tu ne voles pas l'Underman. Enfoiré. Ah là là, c'est beau le racisme. On bute tous les noirs. Mais en plus, j'ai vraiment un pote qui m'a sorti une fois, quand il a découvert Minecraft, putain, mais Minecraft, c'est ultra raciste, tu butes des mecs noirs. Et il y a des grands types noirs qui te volent des blocs. Bon. C'est des grands noirs qui te volent. Je ne cautionne pas ces propos, évidemment, là on est pour l'humour, moi je suis absolument contre le racisme. Comme toutes les personnes avec un cerveau sur cette planète, mais bon. Donc plus qu'un bon gros bâton beaucoup, en plein milieu du... En plein milieu et puis ça aurait été parfait. Souvent ceux qui ouvrent leur gueule, c'est rarement les plus intelligents. Quoique ça dépend. Et bon. Malheureusement, oui, ça dépend. Tu vois que beaucoup ta gueule s'est élevée, mais en même temps, il y a certains politiciens, j'ai juste l'impression que ce qu'ils font, c'est pour le bad buzz. Ouais, non, pas mais Donald Trump, c'est pas un politicien, c'est un couillon qui se veut président, ça n'a rien à voir. De qui ? Donald Trump, c'est celui qui se présente aux élections présidentielles américaines. Ouais, j'ai appris ça ce matin. Ce mec est raciste, stupide, méchant. Qui, un peu n'importe, qui dit n'importe quoi, mais qui a quand même la favorite. Qui est favori, bah, 40% des Américains sont pour lui. Hein. Ah, purée, on va perdre deux fois. C'est un peu comme si en France, tout le monde votait Ganesh. Ça, c'est sûr. C'est comme si un fanax vous gardez au coup. Ouais, alors le nord c'est par où là, c'est par là. Smokey débridé. Ouais, Smokey débridé. Donc avancez les enfants. Plus de musique, t'en as pas. Il passe où? Date, non, aux manifestations. Date, non, aux manifestations. Il perd le monde. Il a perdu CLB. Ah non, il est CLB président. Non, non. À la solitude. Mais venez avec moi les gars. Non. Une manifestation avec un type. Dites non à la solitude. Seul, mais... Ah merde. Ah merde. Moi j'avais 42 poulets, tiens, c'est rigolo ça, 42 lol. Cette blague. Ça nous fait la vérité enfoiré. 42 qui apparaît quelque part n'importe où, il fait un commentaire. Et bah c'est la taf. Alors je m'attendais à ce qu'on puisse partir en bateau. C'est la première fois que je parle avec El Diamond. J'ai 24 bûches, donc ça devrait être suffisant. Frosty parle avec le démon. Mais alors, c'est pas comme si j'étais Johnny Depp. Je sais pas, c'est rien. C'est rien. Je te garantis qu'à l'échelle de la MC4 Team, tu fais partie du mythe. Bon, bon, c'est pas terrible parce que mythe, ça veut souvent dire que t'es mort depuis longtemps. Ouais. Le truc, c'est qu'on l'a pas vu depuis 3 épisodes. C'est l'impression qu'il donne, hein. C'est l'impression qu'il donne. C'est marrant, en un sens, je suis mort sur Minecraft, hein. D'un côté, oui. Tristesse. C'est bête, hashtag hein. Je pleure. Hashtag voilà. Hashtag c'est voilà. Merde, bordel. C'est beau. Hashtag il joue plus les hashtag El Diamond, hashtag. Hashtag il joue plus du les non plus, hashtag le mythe est vraiment mort. Hashtag c'est chaîne. Hashtag abonnez-vous, allez revoir. Ouais.
Hashtag si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo, bah c'est très bizarre déjà parce que y a hashtag donnez-moi votre argent. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon. Même si vous êtes déjà abonné, normalement, parce qu'on est trois personnes à regarder cette vidéo. Moi. Ah, il y a une moyenne de 20-30 vues sur chaque épisode de Minecraft vous est offert, il y a quand même un petit succès. Mais faut dire qu'on a 300 abonnés aussi. Plus de 300 abonnés, donc c'est un peu la loose. Non, ils sont là. Est-ce que je rêve ou est-ce que je suis tout seul là? Mais non, bah, moi, tout seul. Il y a Fanax et Aldaemon, mais bon, les deux autres ils sont coincés sous l'océan. Stupide. Sous l'océan. Oh, des fleurs, j'aime bien. Sous l'océan, reprise au ukulélé, Aldaemon cover, la séquence à plus culte, toute vidéo de la MC4 Team confondue. Dis-moi, il a été corrigé le bug ou quand on plante des grandes fleurs et qu'on mine le bloc en dessous, ça fait dropper deux fleurs? C'est possible, mais je suis pas sûr. Bah, j'espère que non, parce que je m'étais bien marré la dernière fois. La prank dans MDO3. Eh bah écoute, tu vas planter du terreau un petit peu partout sur le dirigeable de Tingeoff. Attention critère. Et après, YOLO. Hein. Donc, est-ce que là, on va dans la bonne direction north? Là, je suis en 3000-4000, je vais voir à peu près où ça correspond sur la carte, si ça vous dérange pas. Donc, la base, elle est en... Donc, le sud, il est en 4000-6000, et le nord, il est genre en 4000-0. Donc, du coup, on est à peu près au milieu de la map, c'est positif. Là, on est dans un truc illisible à cause de la définition. On est un tout petit peu à l'est de la région de Nedjeradak. Nedjeradak. Merci. Blablabla. Voilà. Blablabla. Il faut pas qu'on se sépare là, je suis. Par contre, c'est quoi cette tiraison? J'ai aucune idée de l'endroit où je peux être. De quoi? J'ai strictement aucune idée de l'endroit où je peux être. En tout cas, c'est joli. Mais je te l'ai dit, on est au nord de Nedjeradak. Ah, je vois moi personnellement. Je suis au loin, mec. Ah, cool. Je suis moins perdu que ce que je pensais là. Alors. Quelqu'un me tire une flèche? Attends, je vais essayer de trouver le nord. Alors, si j'avais le zoom optifine, je verrais. Attention, Frosty, je vais te tirer une flèche dessus. Oh, il y a une lueur de machin. J'ai pris ta flèche. Non, il a volé ma flèche. Remarque, regardez, il y a Mister Fanax qui monte. Remarque, volé 64. Il monte. Allez, ça fait 64 et 3. On est tous avec toi. Hashtag, je suis Bigos. Hashtag tu n'es pas du tout bigos et dès que tu seras de retour tu reposeras ça à sa place putain de merde. Non, fais chier, ça marche plus. Hashtag triste, hashtag je pleure. Je prends le masque. Hashtag t'es triste. Il y a un masque de la police. En fait moi je prends toutes les têtes. Hashtag je pleure. Oui, je pleure. Mais parce que souvent les gens qui parlent, qui disent hashtag je pleure, ils savent pas écrire et bizarrement ceux qui savent pas écrire ils disent je pleure. Cherche pas hein. Je pleure, je déplore. Mais oui, ils disent je pleure, on a l'impression qu'ils parlent comme des enfants de 3 ans, sauf qu'ils postent sur Twitter, ils n'ont probablement pas 3 ans. Alors ce sont des enfants de 3 ans géniaux, puisqu'ils savent déjà utiliser Twitter. Mais bon, généralement, quand on est génial, on apprend à écrire avant d'utiliser Twitter, même quand on est génial. Comme moi par exemple, je suis génial et j'ai appris à écrire avant d'utiliser Twitter. Bon bref. Hashtag la tristesse. La tristesse. Vous êtes où? Ouais, je vous pose la question. Merde, vous avancez vite, bande d'enfoirés. J'ai perdu tout. J'espère qu'il y a quelqu'un qui sait où il va. Moi je sais où je vais au nord. Et bah, c'est le plus important. Sur 4, c'est déjà pas mal. On va aller on est 5 déjà d'une. Et de 2. Et de 2, je sais où je vais parce que quand on aura suffisamment progressé dans l'Ena Delta, faudra aller vers l'est. Oh purée, de l'or à l'air libre. Les gars, comment? Oh mon dieu. Mais prends-le, bordel de lire à l'air libre. Hein? Tu vois pourquoi il y a des minerais d'or comme ça? LB, comment on fait pour récupérer ses mains quand on a appuyé sur un bouton dans ce paquet? Tu sais, vous. Un peu comme une vue cinématique et tout. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Et arrête de faire ça, tu casses mon armure, putain. Bon. Je vous ai tellement tous perdus, ça n'a aucun sens. Bon, RTP, super, le nord est pris. Ok. Mister Fanax. Je vais vous téléporter à moi, écoutez, parce que YOLO. Oui, je ne suis plus. Oh, je voulais prendre une fleur bleue qui me tombe. Descendez la montagne à pied, si vous êtes gentil. Ce qui est bien, c'est qu'on voit du pays, mais ma runner distance fait juste que c'est un petit peu dégueu. D'ailleurs, je vais enlever mon armure, moi, si vous voulez avoir des dégâts de jeu. J'ai pas des FPS géniaux à propos, mais bon, tant pis. Moi, ça va, il y a quelques petits lags, mais c'est tranquille. Ça va, c'est mignon. Le gars, il sprint comme un riche. Moi j'ai pas beaucoup de bouffe. Moi il me reste 38. Des fleurs bleues, donnez-moi ça. Moi il me reste 10 steaks et quelques pains. Vous
un peu fleur bleue quand même. J'ai 44 poulets, ça va. Mais ils me suivent pas, c'est dingue ça. Bah, moi je marche, écoute. Ah oui, moi j'ai du speed 3 aussi. Moi je ramasse à peu près toutes les fleurs que je vois. Moi j'ai pas de speed. De toute façon, je sais que les commandes sont activées sur ce serveur, donc j'ai pas d'inquiétude, je peux pas me perdre. Et t'as bien dans le serveur perso que moi je... Non, ça marche pas, en plus les commandes d'administration on peut pas utiliser les arrobas, encore heureux d'ailleurs. Alors soyons marchés sur cette plaque de pression et vous serez banni du serveur. Ah oui. Et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Genre sur des serveurs un petit peu moins pluginés que permettez, je mine 2 secondes, là il y a du fer. Ouais, c'est bizarre par là. Écoute, on a des dizaines de blocs de fer. Donc... Bon, bah les couilles, je le prends quand même pour ma propre consommation. Oui, c'est une belle structure, Mister. Structure, ouais. Carrément. Alors, j'ai plus l'habitude des flèches qui ne laissent aucune peinture. Pour moi, ça veut dire que la map est buggée. Et je travaille sur une map Splatoon. Voilà. Elle sera peut-être même déjà finie quand vous verrez cette vidéo, vu que cette vidéo sortira probablement mi ou fin octobre. Oh. Ah. Je l'ai eu. Ah. Bonne Halloween. Bon, c'est B. Je suis sincèrement désolé, mais IRL, j'ai un truc important et rapide à faire. Donc je vous laisse et je reviens dans 10 minutes. Ok, bon, 2 minutes. On te téléportera. Quand... Cool, merci, c'est gentil, trop mignon. Ok, à tout de suite. Et oui, you. À tout de suite. Pour la peine, je vais me... Je voulais le faire moi-même. Fais chier. Ah, d'accord. Tant pis. Et tout de suite. Tout de suite. C'est la fin des dingues. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon stop actuel? Je sais où ils sont. Pour lui mettre une torche de redstone à ses pieds. Je sais que je vois plus, bien sûr. Je suis en deduction parce qu'il y a tellement de joueurs. C'est à cause du comment bloc ou quoi, parce que... Dans tous les autres serveurs, je lag pas, je suis en 50 FPS et là je suis pas content. Je suis en 12 chunks. Ouais, non, mais écoute, la map fait 6000 par 6000. Je vois un très beau paysage devant mon nez. devant ton nez. Moi je ne sais absolument pas. Alors, et là, on arrive au delta. On arrive dans le bras principal du delta. Je vais essayer de me repérer sur la carte quand même. Ouais, on est ici. Vous êtes ici, mais en même temps, je vois plus mes mains. Ça doit être F1 si tu vois plus tes mains. Jusqu'en 3600, 2100 et puis là... Oui, j'ai gaspillé des flèches. Juste quand tu dis ça, j'avais plus de bouffe, j'allais mourir. Oh, attends, je suis où là? Et là, faudra trouver le désert, ce sera un petit peu plus aléatoire que d'habitude. Après, quand on sera assez loin dans le delta... Oh, c'est pas mal, la petite rivière. Oh, je vois des gens. Ouais, bah moi, je vois une armure blanche, alors c'est... Et qu'une armure en diams. Oui. Non, mais moi, si tu veux, je suis en deux, du coup... Moi je porte pas d'armure donc. Avec mon pack 128 plus la map qui est quand même assez lourde. Moi je vais plein nord, je ne vois pas personne. Voilà. Mais je crois que je suis derrière celle-là. Derrière moi, mais j'ai plein nord. Derrière CLB. Ah, en effet. Oui. Aussi est derrière Fanax, et Fanax est derrière CLB, et CLB est derrière personne parce que CLB c'est le chef. D'ailleurs, bah non, moi, CLB ça fait c'est le boss. Et c'est ça l'origine de mon pseudo. CLB ça fait c'est le boss. Je ne t'ai pas croisé, donc t'es sûrement derrière moi, en fait. Le pire, c'est qu'en irréel, j'avais mis sur mon tableau de la MT4, parce que je laissais tomber, aucun détail. Je mets les noms de la MT4. Et du coup, j'ai mis... C'est le chef. Et du coup, il me dit, ouais, je suis pas le chef, il n'y a aucun chef. Je m'estime pas comme étant le chef. D'ailleurs, chacun a le droit de me voir sur mon vidéo. Il y a des barrières dans un arbre, c'est normal. Je suis pas vraiment le chef, mais je suis seul à m'investir dans tout un projet. Oh, des torches de redstone, comme c'est inutile. Qui dit, est-ce que ça a un sens de mettre des barrières pour faire des branches? Parce que... Vous êtes ça rend bizarre. Alors moi j'avance vers le noir comme toujours. Hein. Coucou. Oh bonjour. Oh punaise. Et moi c'est beau hein. Une fois que vous êtes arrivé, je me tais. Oh, je vois un type en haut de la montagne là-bas. C'est Spirit Wolf, je crois. Je vois un amas de pixels. C'est Spirit Wolf, t'es derrière moi. Non, je suis devant toi là. Il y a des sapins, mais des sapins de fou. Je suis qu'à 12 chunks, moi. Aïe. Après, j'ai presque envie de taper dedans. Bah, ça fait bien une centaine de blocs, ça, 12 chunks. Hein. Sapin. Mais oui, réfléchis. 12 x 16, ça fait beaucoup sapin, plus que 100. Sapin. Espèce de noob. Bon. Je n'ai absolument rien entendu, ni même écouté de ce que tu as dit. Alors, sache que là, au moment où on tourne, on est le 28 août, ce qui signifie que bientôt, c'est la rentrée.
Ouais, il ouais, y a des promotions dans les magasins et des pubs ridicules à la télévision et de la dépression globale sur tout Twitter. Et voilà, exactement. Je rentre dès le premier, moi en plus c'est la dèche. Je rentre dès le premier. Oh, personnellement, je rentre le 2. Bon. Maintenant, je me sens privilégié. Merci. Pourquoi ? Purée. Tu rentres quand ? Je vais vers l'est, purée. C'est pas le nord ça. Le sud ? Purée, ouais. Le nord c'est derrière. Ouais. Ah, le Nord, c'est bon, tout ça! Champion du monde! La Nord! Non, parce que je suis blanc, c'est ça, et que de fort, il y a les wesh, il y a le bonhomme vert! Champignons! Essayez de faire de l'alpinisme avec un effet de speed, vous comprendrez ma douleur! Oh, cool! Champignons! C'est mycélium, ça! On a fait tout à l'heure! Du mycélium! Les champignons! Je vois les champignons! Je sais plus comment ils l'appellent! Les champignons! On voit les champignons. Alors, partout. Là, les champignons, elles sont mortelles. Alors là, je suis en 3000-3000, ce qui correspond à peu près à. Rien du tout. Oh. Voilà. C'est un fou inutile du jour. Wow. Bon. Un très bel intérieur, celle-là. Alors, pour atteindre 2000 en Z. Non. Je sais pas où je vais, mais j'avance. Ouais, pareil. J'avance vers le nord. 800. Pareil. Ok, donc par là, on aura le donjon, le donjon du Delta, mais c'est pas celui-là qu'on cherche. Oui. Ah non. C'est pas un os. J'ai pas quoi? T'as pas d'os. D'os? Ouais, d'os. Eh bah, j'ai deux os. Merci, j'en veux un seul. Oui. Si tu veux apprivoiser un loup, il est probable que tu ne réussisses pas avec un seul os. Ah non, mais bah, écoute, je voulais juste taper sur quelqu'un avec un os. Oui, mais sauf que là, on peut pas. C'est beau l'intelligence. Oui, c'est beau l'intelligence. 3 neurones, c'est déjà bien. Hein. 3000, toujours. Hein, oh mon dieu, hein. Cette immense montagne. Je vais réussir à aller. Faut qu'on aille en 4000-2000, donc. 4000-2000. Ah, on approche. Enfin, ah. Pas, hein. Oh, mais... enfin 4000, oui. 4000, ouais. 4000, en fait, 4800-2000. 4800-2000, donc presque 5000-2000, concrètement. Donc, ouais. On pourra plus directement aller vers le nord, là, il va falloir faire aller vers le nord-est, à peu près. Faut que je continue plein nord. Le ouais. Nord, le nord. Et puis au pire, alors, le premier arrivé téléportera tous les autres à lui, donc... Oui. Je dis que c'est pas là que c'est moi qui vont arriver en premier, parce que vous êtes trois. Ça fait chasse au trésor qui arrivera le premier. Non. Celui qui va dans la bonne direction. Je sais pas, je vais au nord. Celui qui a noté les coordonnées. Mais donc, ouais. Bah allez, je vous fais un petit cadeau. Oh. Oh. Ne t'épais pas, wesh. Ah, d'accord. Nous on est bien avec toi. Je m'en approche, je suis... Ceci est un indice pour savoir où se trouve le trésor. Oui. De l'argent. Oui, l'argent des abonnés. La sandstone, normal. De l'or, de l'or. L'argent, prends l'argent. Tu vas voir un peu, vas-y. Tu l'as mis, tu le mets en... Comment dire, en lingot. Non, pas en lingot, en pépite d'or. Vas-y, donne l'argent. Là, donne l'argent. Bah, il faut transformer en lingot. Il faut un four. Mais non, mais pour les mettre en pépite, justement. Ah, pour les mettre en pépite, il faut les transformer en lingots d'abord. Et donc pour un four. Donc voilà. Ouais, voilà. Purée, mais il y en a encore en plus, c'est un énorme filon. Oui. Allez, vas-y, moi je peux pas éliminer. Je le pire. 4000, j'y suis. Je suis pauvre. C'est 4800. Donc voilà. Donc, oui. Il faut encore que je fasse quelque chose comme un kilomètre de marche. Oh purée, il en reste. Toujours plus. Mais concrètement, une map de 6000 par 6000, on trouve ça immense, genre huge. Et concrètement, ça fait juste 6 km de marche, ça se fait en une demi-heure IRL. Et pas loin d'une demi-heure dans Minecraft d'ailleurs. Oh, ça fait plaisir la réduction du bruit. Ouais. Ah oui. Ah les oreilles. Et pourquoi est-ce qu'il y a du blanc sur ces arbres? T'as chier. On se dit, c'est mieux quand tu fermes ta. voilà. Fais cuire. Je m'en fous de la YouTube Money, ce que je veux juste avoir, c'est l'arrêt du bruit de fond de sa main. Sauf qu'il n'arrive pas à configurer son triton, donc du coup... Triton, j'adore ce nom. Sur Google des petits tutos. C'est pas un dieu romain. Ah putain de merde. Triton. Krypton, c'est... bah, non, c'est, t'as deux trucs qui sont Krypton. T'as un élément du tableau de... Du tableau de... Tableau classification périodique des éléments. Ouais. Donc un des éléments c'est le Krypton et puis t'as aussi la planète de naissance de Superman qui s'appelle Krypton, entre autres. Non, on dit Triton, pas Krypton. C'est Krypton la planète de naissance de Superman. Oui. Ah, nous, on parle de Triton en fait. Triton, avec un T. Ah d'accord. Comme les Tritons.
Ouais, mais forcément, on va dire que c'est la faute du micro. Hein. On va lire. Toujours la faute du micro. Ah. Alors là, je devrais atteindre le désert. Là, je peux transformer en pépites. 9 pépites. Le désert, moi, les pépites, j'en ai 9. Ouais, bah voilà, 9 chacun, on peut se doucher dedans. Je devrais arriver dans à peu près 5000 ans, moi, je pense. Mais... Aïe. Ça pas eu. Putain, dans la coup, je me suis mis à laguer à mort, ça m'énerve. Et bah, je crois que je vais dans la bonne direction, les enfants. Ah, pareil. Putain, mais c'est vrai, les barrières dans les arbres, c'est quoi cette. Ouais, c'est les drôles de faire des branches. Bah voilà, alors... laissez une bûche. Hein. Laissez une trace de mon passage, on va dire. Quoi ? Ma porte sous toute seule. Vrai, je sais. Alors, on commence. Ah, mais je vois le désert. Je vois la lumière. Et on va bientôt arriver au donjon. Tu préviens avant le TP, hein, parce qu'on a, on a de l'or sur le feu, nous. Merde. Ouais, c'est moi qui ai YouTube Money, là. Oh, la YouTube Money. Alors, vous pouvez écrire dans les commentaires de nous demander de rendre de l'argent aux abonnés. On vous invitera sur le serveur et on vous donnera de l'or. Voilà. Oui, mais on se le givra. Ce sera pas le vrai. 4800, c'est vrai. Et 2000, tout court. Donc, du coup, là, si je garde le cap... Oui, l'argent des sapones. Allo? Ah, des fouleurs! J'ai marché la gueule! Ah, bah, c'est moi qui ai les lingots! J'ai lagué, il y a eu une minute de silence! Ah, oh putain de merde! Pour honorer le décès de quelqu'un, probablement! Oh mon dieu! Quoi? Et oh putain! Oulala! Connexion-là, c'est qui est? Le serveur a craché! Il est plus moi aussi, j'ai. Ah bah si, en fait. Non! Purée, j'ai perdu la connexion juste quand j'allais prendre l'argent des japonais après. Non, mais le truc, c'est que le serveur a craché, c'est la faute du serveur. Bon, on revient, on allume le serveur et ça reprend.